Près de 350 enfants des écoles maternelles et primaires de la ville ont participé aujourd'hui à l'opération « Nettoyons la nature » sur l'île de la Cité. Une opération de sensibilisation à l'environnement organisée par la municipalité. Le but de cette opération est véritablement de sensibiliser les enfants. Qui mieux que les enfants pourront apporter la bonne parole, j'allais dire, au sein de leur famille. Et la municipalité a bien évidemment une mission d'éducation. Et aujourd'hui, nous sommes aux côtés des enfants qui eux-mêmes porteront demain cette nouvelle gestion que nous devons avoir pour préserver effectivement l'environnement de notre ville et de notre région. Avant de procéder au nettoyage des berges, les enfants munis d'un kit de ramassage des déchets ont reçu quelques consignes d'un ambassadeur du tri du Covaldem 11. Aujourd'hui, c'est accompagner ces enfants pour leur chasse aux détritus, on va dire, entre guillemets. Et leur expliquer aussi le bon fonctionnement du tri sélectif et la revalorisation de ces déchets-là. Du côté des enfants, le message semble être passé. On est venu ramasser les déchets, on a mis des t-shirts et on va ramasser tous les déchets. On va ramasser les déchets pour déjà sauver la planète, pour l'environnement et pour qu'on va dire que la planète respire mieux et on va s'en sentir mieux parce que on sait qu'on a dépollué et c'est très bien parce qu'il y en a qui ne font même pas et on fait ce que les autres normalement devraient faire. A noter que d'autres collectes de déchets seront organisées par les enfants autour des établissements scolaires.